shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette nuit que tu nous as donné d'avoir. Merci parce qu'en ce matin encore, tu réveilles tout un chacun de nous, là où beaucoup n'ont pas eu cette chance. Merci pour tes bontés et tes merveilles que tu renouvelles encore en ce matin. Merci pour tes anges que tu envoies camper tout autour de nous. Merci pour ta main posée sur chacune de nos vies. Voilà pourquoi en ce matin, éternel Dieu des armées, nous voulons tout simplement unir nos voix à celles des anges et des saints pour te louer, te magnifier. Te dire à quel point nous te sommes reconnaissants. Toi qui es l'éternel rocher de nos vies. Toi qui es la forteresse inébranlable de nos vies. Toi le rocher de nos vies, de nos âmes. Toi l'abri sûr, l'ami fidèle de nos vies. C'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons magnifier. Seigneur, malgré les situations dans lesquelles nous sommes, malgré ces eaux troubles, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier, te rendre grâce. Car tu peux dire dans ta parole que c'est l'action de grâce qui appelle la grâce. Ce n'est pas seulement quand ça va que nous devons te louer. Mais même dans les larmes, même dans le désert, nous devons apprendre à te louer. Voilà pourquoi en ce matin, nous te demandons encore, par Marie notre mère, que tu viennes encore agréer à notre louange. Que tu viennes agréer encore au soupir de nos cœurs et de nos âmes. Que tu viennes encore agréer, éternel Dieu des armées, au cri de nos maisons, de nos nations. Que cela parvienne jusqu'à toi. Afin que te plaise de faire comme bon te semble encore. Nous te supplions et nous te prions. Alléluia à toi l'époux bien-aimé de nos vies. Alléluia à toi le Dieu rempli de miséricorde pour nos vies. Alléluia à toi éternel Dieu des armées. Pour tes hauts faits, pour nos maisons, pour nos foyers et pour nos nations. Alléluia à toi éternel Dieu des armées. Lesquels nous sommes, Seigneur. Tu vois ce que vivent nos familles. Tu vois ce que vivent nos foyers et nos nations. Et en ce matin, c'est en unisson de cœur que nous crions vers toi au travers de cette louange,
au travers de cette prière d'action de grâce, au travers de cette prière de reconnaissance, que nous crions à toi, Seigneur. Qu'au travers de cette louange, Seigneur, qui certainement réjouira ton cœur, que tu viennes encore visiter, que tu viennes encore apaiser les cœurs, que tu viennes encore changer la mentalité de tout un chacun de nous, que tu viennes encore changer nos différentes conduites, que tu nous réapprennes à marcher avec toi. Yahweh. Et honneur à toi, époux bien-aimé de nos âmes. Gloire, louange et honneur à toi, qui ne cesse de nous faire du bien et de nous bénir. Gloire et louange à toi, qui va à la rencontre de l'opprimé, de l'orphelin, de la veuve. Gloire et louange à toi, qui certainement ira encore déverser tes grâces et tes bénédictions au sein de ce foyer, de cette maison qui ne cherche que toi, qui ne veut que toi, qui ne désire que toi. Alors Seigneur, nous te prions encore ce matin, par Marie notre mère, agrée encore. Nous te supplions. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est dans cette mouvance, dans cette atmosphère, que je te souhaite encore de passer une excellente et sainte journée. Toujours dans cette mouvance de la louange, que ce soit une louange par les soupirs ou par des gémissements, pourvu que cela plaise à ton Dieu. Avec tes mots, continue de lui parler. Continue de lui rendre grâce. Continue tout simplement de le magnifier et certainement il viendra à ta rencontre aujourd'hui. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.